je vais faire ma petite vidéo pour ma chaîne YouTube. Hop. Et salut les amis, c'est Chelsea Prank YouTube et j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Alors comme d'habitude, aujourd'hui on va faire une vidéo prank où je vais pranker mon copain qui s'appelle David Latrompe. Et j'ai également invité ma meilleure amie qui s'appelle Miss Rachi. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que je les ai invités ici. Et en gros, je vais avouer à mon copain que je l'ai trompé. Bien sûr, c'est faux parce que je l'aime de tout mon cœur. Je suis in love vraiment de lui. Vraiment. Et en plus, j'espère qu'on va se marier une fois qu'on sera plus grand. Enfin, bref, je vais le pranker. Je vais dire que je l'ai trompé, mais que je regrette. Et je vais filmer sa réaction. Alors, ma meilleure amie n'est pas dans le coup. Hein. Ma meilleure amie, c'est surtout pour voir sa réaction également. Je veux voir si elle va me soutenir ou pas dans cette épreuve. Et donc, bah, du coup... ce sera ça la vidéo, donc j'espère que ça va bien se passer, j'espère que vous allez kiffer, n'hésitez pas, abonnez-vous vraiment et martelez-moi ce bouton des likes. Ah bah attendez, ah bah ça sonne, bah du coup je vais descendre en bas et je vais les accueillir. Donc j'ai mis une petite caméra dans le salon, et comme ça ils verront pas que je les filme. Allez. Chelsea. Ouais maman, j'arrive. Il y a tes amis, enfin il y a ton ami et ton copain. Ah, bah allez-y, entrez. On va se mettre dans le salon. Salut Miss Rachi. Salut David Latrompe. Vous êtes très belle aujourd'hui. Oui, salut, yo. Yo, ça dit quoi? Ouais. Bah écoute, très bien. On va dans le salon. Ouais, vas-y, on va dans le salon. Allez, asseyez-vous. Ok. Allez, hop. J'ai quelque chose à dire. Donc, c'est quand même difficile pour moi, c'est une épreuve et j'espère que voilà, vous êtes les deux personnes les plus importantes de ma vie. Hein. Miss Rachi, t'es vraiment ma meilleure amie, ça fait depuis qu'on est tout petit, qu'on est potes, depuis la maternelle. Et toi David, ça fait quand même 3 ans qu'on sort ensemble, 3 ans qu'on est ensemble. Ouais. Et en 3 ans, notre relation est tellement parfaite, mais je dois vous avouer quelque chose. Oh t'inquiète, je serai là pour te soutenir. Ouais, moi aussi, là, pour te soutenir. D'accord. Alors, en fait, vous vous rappelez, la semaine dernière, je suis partie un petit week-end en camping. Pour relier, relier avec la nature, tout ça, tout ça. Ouais, ouais. Et j'ai dérapé. Oui. J'ai dérapé, j'ai... T'as dérapé dans la nature? Et quoi, tu t'es fait un bleu? Non, non, c'est pire que ça. En fait, David... T'as dérapé des grappes de raisin? Non. J'aurais aimé que ce soit ça, mais malheureusement, ce n'est pas ça. Ouais, vas-y, dis-moi. En fait, il y avait un mec aussi qui était à ce camping. Ouais. Ouais. Et ce mec-là, du coup, bah, on s'est embrassé. Voilà, je t'ai trompé, David Latrompe. Oh là là. Oh là. Ah. Ça, m'a trompé. Et je suis désolée, je voulais pas te tromper, je... C'est vraiment, ça s'est passé embrassé. Une fois. Oui, on s'est embrassé. Et pas d'autre chose? Non, on s'est embrassé avec la langue. Oh là là. Quoi? Oui, maman. Gâché. Oui, maman, le camping que tu m'envoyais, j'ai embrassé un autre garçon avec la langue. Je vais vous laisser dans vos histoires. Hein. Oh. Oh là là. Bon, écoute, on va dire faut t'avouer, pardonner quoi. Après, ah, moi, c'est vrai ça, tu me pardonnes David. Ouais, je te pardonne, mais tu vois, je m'en fous un peu que tu m'as trompé parce que quoi, t'as vu, ah, c'est la vie quoi, tu vois, ta meilleure pote et tout, il s'est passé des trucs, t'as capté, ta maman attends, aussi qui attends, est montée au-dessus, voilà, il y a la langue qui est partie, ouais. Attends. Ah ouais, je me rappelle, c'était trop drôle d'ailleurs. Attends. Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire par ma meilleure amie? Attends. Ah oui, ton père aussi, ouais, je m'en... Quoi? Ouais. Attends, j'ai pas compris. Ah, c'est quoi le rapport, en fait? Qu'est-ce que tu as fait avec Miss Rachi? Miss Rachi, explique-moi. Bah, comment dire que... Écoute, bon, on s'est passé un petit feeling entre nous dans une piscine. On s'est rencontrés et tout. Et genre, et bah après, on allait chez lui, etc. Attends, et vous avez fait quoi chez David? Oh, pas là, là, je te raconte même pas, c'était incroyable. Quoi? Attends. Attends, vous êtes en train de me dire que David, tu m'as trompé avec ma meilleure amie? Non, pas avec ta meilleure amie. Avec ta meilleure amie.
avec ta mère, avec ton père. Il y a aussi Roger, mon meilleur pote. Voilà, celui qui est musclé, il est baraté, là. Il sort des lits de Madagascar. Attends, il y a aussi mon prof de sport. Attends, tu t'es tapé tout Brookhaven, là, ou quoi? David. D'ailleurs, tu te rappelles le jour où t'as fait une convention? Oui. En fait, ils sont pas venus pour toi. Attends, c'était la convention pour mes abonnés, le meet-up à Paris, c'est ça? Ouais, mais tu vois, tes abonnés, c'est un petit peu mes abonnés aussi. Du coup, au fil en aiguille, voilà, t'es quoi, modératrice? Ah oui! Ah ouais, tu fais bien de rappeler ça, Rachi. T'es modératrice, aussi modérateur. Ah, je me rappelle, je me suis tapé un modérateur à toi aussi. Oh, d'ailleurs, attends. Par là, ta maman. Oh, ta maman. Oh, incroyable. Ma mère! Non! Non, c'est pas possible, si. Ma mère, elle aurait jamais fait ça. Ah, ben si. Si, j'étais là. En plus, t'étais là, mais c'est un gros... Attends. Là, je viens d'apprendre que... Attends, que mon copain me trompe avec ma meilleure amie, avec ma... Mais du coup, je comprends pas pourquoi t'es sorti avec moi, David. Je pensais que tu m'aimais. Bah, en fait, je t'explique. De base, moi, j'ai vu que t'avais beaucoup de followers et tout sur Insta. J'ai vu que t'avais un compte YouTube. Moi, j'ai débuté sur YouTube. Du coup, je me suis dit, c'est parti, tu vois. J'ai beaucoup d'abonnés, mais toutes mes abonnés, j'ai déjà tous tapé. Du coup, je vais renouveler un peu mon menu du jour. Du coup, en sortant avec toi, bah, c'est comme si je sortais avec tous tes abonnés, tu vois. Du coup, de fil en aiguille, bah, je me suis tapé effectivement tout Brookhaven. C'est pareil pour moi, je suis meilleure amie avec toi juste pour ton fric et tes abonnés. Hein. Eh, pas qu'une fois, hein, en quoi plus. Ah, Brookhaven, là, il est passé. Ah, au moins 10, au moins 100. Oh, au moins 1000 fois. Ouais. Trop drôle, David Douchou. Ce n'est pas drôle. Ce n'est pas drôle. Ah, faut pas faire ça, c'est pas gentil. Mais en plus, si, mes abonnés. Ta meilleure amie, c'est la routine, quoi. Du coup, c'est que. Vu qu'on est tous les deux influenceurs, je faisais des vidéos avec lui et de fil en... Enfin, avec elle plutôt. Et de fil en aiguille, c'est parti assez rapidement. Du coup, maintenant, dans toutes nos aventures, bah, on va à deux, quoi. Mais ça fait combien de temps que ça dure, tout ça? On va dire... 2 ans et demi? Bon, 3 ans. Mais 3 ans, c'est le début de notre relation. Non, oui, 3 ans. Non. Tu dis que c'est depuis le début de qu'on sort ensemble, tu me trompes depuis le premier jour. Du coup, quand j'ai fait... un an avec toi, j'ai... Ouais, c'est... je me rappelle, quand j'ai fait un an avec toi, j'ai offert la bague à Michel Arachi. Ouais, tu veux que je te la montre, la bague? Non, je veux pas, qu'on je veux est... pas la voir. Ah oui! Je veux pas voir ça, moi. Cette nouvelle, on avait oublié de te dire, en fait. Je me suis fiancé avec elle, à Métis Rachi. Quoi? Vous êtes marié? Et du coup, y a ta maman qui va faire une colo couchée avec nous, et aussi ton père. Attends, vous êtes des libertins là ou quoi? Moi, je suis plutôt voyageur, on va dire. Moi, je voyage partout. Non, mais là, tu voyages vraiment n'importe où, hein, vraiment. Tu sais quoi, David? Tu t'as raison. Y a pas de problème. Ouais. Vaut mieux que je m'en rends compte tôt ou tard que tu me trompais. Tu vois là? Tu vois à côté du décodeur le petit bouton rouge là? Tu le vois ou pas? Ah ouais. Ouais. Vous êtes filmés. Vous êtes tous les deux filmés. C'était un filmé. C'était un prank. Je t'ai jamais trompé, David. Oh, par là, on est filmé, Miss Rachi. Ah bon, n'hésitez pas en tout cas à vous abonner à la chaîne David Lafron, enfin la trompe plutôt maintenant. Et aussi, si vous voulez avoir des dates, il y aura tout simplement mon email professionnel dans la description. Bon, tu le mets, David, mon email. C'est David, bon, elle David met. La trompe. Aussi, David la trompe. Ah ouais. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Je cutterai ça au montage. Je ne vous ferai pas de publicité. Vous voulez mes abonnés, vous voulez mon argent, vous voulez ma YouTube monnaie. Vous ne l'aurez pas. Je vais vous faire une mauvaise mais pub. Non. Vous allez avoir une des haters. Vous allez avoir des haters, David Latrompe et Miss Rachi. Ils vont tous vous hater parce que tu m'as vraiment trompé. Comment ça, pas mon argent? Et à Noël. Moi, je veux juste ton père, moi. Quoi? Bah oui. Je vais m'émanciper. C'est pas grave. Vous n'aurez rien de moi. Sachez-le. Pas un seul abonné, pas un seul centime. Vous allez voir. Et en plus, personne voudra s'abonner à des gens comme vous. Vous êtes horrible. Mais c'est pas grave, moi mon métier c'est OnlyFans. Ah bah bravo, hein. T'es vraiment... Mais comment ça, bravo? Une copine,
une copine vraiment déplorable. Hein. J'ai jamais vu quelqu'un comme toi. Tu emprisonnes des gens. Tu sais qu'est-ce que t'es? T'es une manipulatrice, tu vois. Tu m'emprisonnes, ouais, tu me laisses pas libre. J'arrive pas à vivre, tu vois. Tu me prends la tête, et tu peux pas faire ça. Tu peux pas embrasser mon père. David, tu peux pas embrasser ma mère. David, tu peux pas te taper ma meilleure amie. David, tu peux rien faire. Mais c'est normal, c'est le but d'un couple. C'est d'être un couple. Comment ça, narcissique? Et alors? Même si je suis narcissique, je mérite pas d'être trompée comme ça. Je suis pas d'accord. Merci. Si tu voulais embrasser tout le monde, si tu voulais te taper ma meilleure amie, t'avais qu'à arrêter le couple avec moi. T'avais qu'à me quitter, d'accord? T'avais pas besoin de faire tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Regarde, moi, je sais pas vrai. Moi, j'ai été fidèle jusqu'au bout. Jamais j'étais allée voir ailleurs pendant 3 ans de relation. Et... Mais oui, mais tu comprends pas qu'il a fait ça juste pour tes abonnés? T'es un peu gueule, hein? Ah, fidèle jusqu'au bout, t'as quand même embrassé quelqu'un avec la langue, quoi. Mais non, c'était un prank, c'était pas vrai. Ah ouais, c'est vrai, c'est pas faux. Ah ouais, du coup, t'as... Après, qu'est-ce qui est fidèle dans ce monde, quoi? Pas vrai, en plus au camping... Comme ça, sans rien dire. Ouais. En plus, au camping où j'étais, il y avait des filles. C'était un camping entre filles, donc voilà. Ah quoi. Mais t'inquiète pas, je connais bien ce parking où t'es... je connais bien le camping où t'es parti. Ah, des fois, vacances d'été, je pars là-bas avec les filles. On est posé et tout. Incroyable. Et d'être de chou. Et qui sait, ça se trouve, j'ai tapé des meufs là-bas, hein. Non, bah non, de toute façon, je vous l'aurais dit, c'était le cas. J'ai rien à cacher, moi, d'accord? Moi, je suis une meuf intègre, je trompe pas mon copain. Enfin, du coup, t'es mon ex maintenant, David la trompe, d'accord? Dis-moi, Chachille, là. Ensemble. Oh, c'est pas grave, mais tu peux genre, vite fait, hein, un petit service comme ça, quoi. Non. Mais appelle ta mère, vite fait. Non, tu te dégages. Vous dégagez tous les deux. Je veux plus jamais vous voir. C'est la maman de Chelsea. C'est ta maman qui m'a invité ici. Sortez de chez moi, je veux plus vous voir. Mais t'es pas... Attends, on va appeler ta mère. En fait, la maison, elle est pas à toi, elle est à ta maman. Du coup, tant que ta maman sera avec nous, ah ouais, je serai là. Ah ouais, ah ben, vous êtes sûr que vous voulez pas sortir? Tu nous menaces? Oui, je vous menace, vous êtes sur une propriété privée. Sortez, sinon je tire. Attends, je sors juste un truc de mon sac à main. Malheureusement, j'essaie de m'enfuir, mais à chaque fois, je retrouve que la chambre, parce que je connais que les chambres dans cette maison. Allez, je tire. T'es mort. T'es mort. Oula. Toi aussi. Venez, viens. Je vais te tirer dessus. Je vais te tirer dessus. Je dégage. Je veux plus jamais te voir. C'est bon. Bonjour. Elle est hystérique.